Et là, toujours, parce que finalement, à l'arrière-plan de la pensée, il y a toujours les dieux traditionnels. Bon, on va monter un petit peu au nord, Mohamed Khairedine, avec les gens des vies d'Agunchish. Alors, je voudrais qu'on parle du début de votre livre à la fin, si j'ose dire. Je dois d'abord que vous parliez d'Agunchish. C'est un héros qui appartient à l'histoire du Maroc ou qui appartient à la légende? C'est un héros qui appartient à une certaine histoire, l'histoire de la Séba, c'est-à-dire celle de la dissidence atlasique, de l'anti-atlas, c'est-à-dire avant 1934, exactement 34-35, avant la pénétration française, tout le sud marocain était en dissidence, c'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pas le pouvoir central. À ce moment-là, évidemment, il y avait des guerres intestines, il y avait des règlements de compte entre divers clans, et voilà. J'ai donc situé ce bonhomme qui a existé, mais ce n'est pas son vrai nom. On l'a appelé Agunchish parce que il s'était caché dans une caverne pour échapper à ses traqueurs et il s'était couvert d'écorce d'arbre. Alors, un de ses traqueurs ayant jeté un coup d'œil dans cette caverne a dit « Il n'y a là qu'un Agunchish ». C'est-à-dire, il n'y a ici, il n'y a pas d'homme ici, il y a un tronc d'arbre mort. Et c'est de ce moment-là, à partir de ce moment, qu'on lui a collé ce sobriquet. C'est un type qui appartient à ma famille, du côté maternel. Bon, alors il veut se venger parce que sa sœur a été tuée et il veut massacrer absolument tous les hommes, non seulement qui ont perpétré le crime, mais au fond tous les hommes du village. Non, pas du tout. Non, il a massacré uniquement le clan adverse. Oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle le clan? Le clan, c'est-à-dire une autre, pas une tribu. On n'est pas ici en pleine ethnologie. C'est un clan, c'est-à-dire des ennemis à lui, tout particulièrement. Bon, il les massacre et il est formidable. Veut dire qu'il est insaisissable. Il a existé. Alors, c'est ce qu'on appelle, vous appelez un desperado. C'est aussi un bandit d'honneur. C'est un bandit d'honneur. C'est ce qu'on appelle un bandit d'honneur. Mais un jour, il va rencontrer le violeur. Ils vont faire équipe. Alors, le violeur, c'est aussi une sorte de. Le violeur est un gars qui existe. Je lui ai pas donné son nom exact et je ne le dirai pas ici. Il est toujours vivant. Ah bon ? Il est très vieux, oui. Très vieux. C'est un type qui possédait toutes les femmes qu'il voulait. Oui, mais de force. Il tirait de force. Ah oui, à cette époque-là. Il prenait leur terre, etc. D'ailleurs, je l'ai bien expliqué dans le bouquin. Oui. Bon, et puis, tous les deux qui font équipe, ils vont rencontrer un troisième personnage. C'est un caïd. Ah, le caïd, c'est un politique. C'est ça. Comme la colonisation voulait lui prendre son pouvoir pour mettre quelqu'un d'autre à la place, eh bien, il a réagi. Il a réagi, donc il s'est constitué. À cette époque-là, d'ailleurs, en 1934, même un petit peu avant, pour que la France puisse prendre l'anti-atlas, il a fallu qu'elle bombarde intensément certains souks, c'est-à-dire certains caïdas, c'est-à-dire les forteresses, les agadirs, etc., et qu'elle tue pour pénétrer là. Bon, et ce caïd, c'est un résistant. Il refuse la présence française et on peut dire qu'il va enrôler Agunchish et le violeur et ils vont devenir des résistants. Oui, après avoir été des bandits, ces messieurs-là découvrent finalement que toute leur vengeance antérieure ne servait à rien. Qu'il fallait finalement prendre conscience d'une certaine chose, à savoir la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Cette liberté-là, c'est la défense du territoire. Oui, mais finalement, vous montrez votre Agunchish, à la fin, il est submergé par ce qui arrive, par l'histoire. L'histoire le rattrape. Mais il a été liquidé par l'histoire. Il a été liquidé par l'histoire et il s'amule avec laquelle il a parcouru tout le pays. C'est le symbole de la modernisation. C'est ça. Un camion écrase la tue pas. Agunchish lui plante son poignard dans le cœur. Et puis il enterre, etc. Et il enterre ses armes en même temps. Et il prend le car pour Casablanca, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. C'est-à-dire qu'il ne peut plus aller dans la montagne, sa montagne, il préfère aller dans la ville. Mais est-ce que ça n'a pas été votre destin, vous aussi? Non, pas du tout. Non. Écoutez, vous avez vécu en France pendant combien d'années? 14 ans. Bon. Or, au début du livre, on voit quelqu'un qui revient. Au début du bouquin, j'ai parlé de moi un petit peu, mais par détachement. En 1979, lorsque je suis retourné au Maroc, je suis descendu immédiatement vers Tafraou, Tiznit, etc. Et puis, comme je n'avais plus revu ce pays-là depuis 20 ans,
J'étais en France pendant 14 ans, mais déjà au Maroc, je ne remettais plus les pieds dans l'Atlas. Bien. J'ai trouvé tout ça changé. Ça a drôlement évolué. Je trouve des villas, des châteaux là où j'avais connu que les maisons des ancêtres. Et quand je dis maisons des ancêtres, je dis des maisons bâties avec de la pierre, de la terre, etc. Le mortier, c'est la terre, à l'époque. Je trouve des rivières sans eau, des torrents secs, plus d'arbres, rien. Les potagers, etc., n'existaient plus, ce que j'avais connu dans le temps. Les puits étaient abandonnés. Tout avait drôlement changé. C'est ce que vous appelez la mort de la culture terrienne. Voilà. Oui. Mais alors, quel est le rapport entre vous, revenant dans le Maroc du Sud, absolument surpris par toutes ces transformations et regrettant beaucoup ces transformations, et puis votre héros Agounchi? Ça n'est quand même pas pour rien que vous avez glissé ces pages où il y a, où vous êtes... Donc, les premières pages me concernent. Oui. Mais ensuite, je redescends dans le passé pour retrouver un certain ancêtre. Ancêtre, ou disons l'ancêtre de... tous les gens d'Azrouado, dans la vallée des Amis. Oui, mais est-ce que ça veut... C'est l'Ahsen ou Fourine, l'ancêtre qui venait, paraît-il, du Sahara. Oui, mais Mohamed Kairedine, est-ce que ça veut dire que vous, rentrant dans le Maroc Sud, vous dites « Ah, oh, mais je regrette le temps du violeur, le temps de... » Ou pas du tout, non. Alors, je le regrette nullement, au contraire. Il y a quand même un peu de nostalgie quand même dans cette description. Non, ce que je regrette au début, c'est surtout cette enfance que j'avais vécue, qui était d'une tendresse extraordinaire et qui n'existe plus. Mais vous regrettez par exemple aussi la perte du sacré. Vous dites la jeunesse dans le Maroc du Sud, c'est pas ce que c'est que le sacré. Autrefois, ça existait. Même avec une certaine dose d'intégrisme, le sacré a été complètement bousillé. Il n'existe plus. Le rapport à la folie, excusez-moi, parce que j'ai été très frappée par ce passage de la folle qui est attachée seule dans un paysage vous comprends bien. il s'agit là d'un souvenir personnel. Je connaissais une folle avant, on lui foutait des fers. Oui. C'était une noire au Maroc, chez nous. Dans mon village, là-bas, à Tafraout, il y avait une folle qui se sauvait, mais elle avait des boulets métalliques. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Moi, je le connaissais plutôt comme un écrivain un peu tragique, parce que j'avais vu Le Déterreur. Et là, il y a quelque chose, une espèce de côté très cocasse, qui, au départ, m'a plu et un peu dérouté. Mais ce que j'ai aimé, c'est que j'ai retrouvé l'histoire qui était réinterprété aussi. C'est ça, finalement, c'est reprendre l'histoire et chercher l'ancêtre fondateur et puis faire... Ça. Voilà. Alors, cette démarche, évidemment, est proche de ce que j'ai essayé de faire d'une autre façon. Je l'ai retrouvé après. Mais est-ce que vous conseillez, par exemple, que vous avez constaté en Afrique la perte du sacré dont parle Mohamed Kairedine? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Ah, peut-être, mais je pas éliminé par les mégapoles. Les grandes villes, etc., où il y a une pollution humaine, je le dis bien, pollution humaine, c'est-à-dire une catastrophe humaine qui vient se mettre là et qui ne travaille plus la terre, etc., qui ne plante plus ses racines profondément dans la sève ancienne. Ouais. Il y a une perte de sacré fondamentale. Oui, d'ailleurs, vous avez cette formule que je trouve très belle, en ces lieux où la géologie et la métaphysique se mêlent. Et vous conseillez... Oui, mais lorsque j'utilise cette image, c'est pour décrire brièvement la structure géologique de la région de Tafraout. C'est ça. Oui. C'est très haut, c'est à 2800 mètres d'altitude. Oui, mais je pense que la géologie, la métaphysique, elle n'est pas seulement dans le paysage, elle est aussi dans les âmes. Elle est partout. Oui. La métaphysique, c'est quoi finalement? C'est un sentiment de pureté. Oui. C'est une recherche de soi, et une recherche de soi à travers les éléments. Oui. Marie Haussmann. Vous avez lu Je l'ai lu, oui. Moi, j'ai été frappée par cette violence. Ça m'a beaucoup déroutée. J'avoue que j'ai eu de la peine à la comprendre. La violence? Oui. Quelle violence? La violence des exécutants. La violence d'Agounchi, cette fureur de tuer. Ce sont deux livres d'une violence. Mais c'est une très grande violence. Froide, oui. Il y a beaucoup de violence aussi dans votre livre. Moi, ça m'a paru un livre tendre, au contraire. Ah, bah, c'est extraordinaire. J'ai pas vraiment vu de violence. Il y a beaucoup de... Il y a des drames, le drame de l'histoire, mais il m'a semblé quand même qu'il y avait beaucoup d'amour, au fond. Ah, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'amour, bien entendu, mais tout de même. Violent, oui, peut-être. Enfin, ça ne m'a pas frappé. Oui. Moi,
Je n'ai pas cherché à faire un livre violent, je crois. Non, non, mais je ne dis pas que vous avez fait un livre violent, mais je veux dire que la violence, d'une certaine manière, elle fait partie du paysage, elle fait partie de la vie. C'est-à-dire elle a détruit, les bombards ont été détruits par une série de violences extérieures, mais leur civilisation était quand même une civilisation très tolérante, peut-être trop, très accueillante, peut-être trop, et c'est peut-être ça qu'il a perdu. Mais alors, est-ce qu'un homme comme vous, quand vous rentrez dans le Maroc Sud, est-ce que vous considérez que vous y avez votre place? Est-ce que, comme Agoun Chiche, qui lui dit, ben non, j'ai plus ma place dans les montagnes, c'est fini, et qu'il n'y reviendra pas. Mais vous, vous êtes revenu dans la montagne. Bien sûr, moi, je suis une sorte de... d'homme libre, quoi. Mais Agoun Chiche aussi. Mais oui, il a perdu sa liberté, précisément. Oui. Pourquoi il l'a perdu? Parce qu'il y a eu la colonisation. Oui, 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 c'est vrai, mais, oui, mais lui, on s'entraîne avec Agoun Chiche, il ne reviendra pas dans le Maroc Sud. Dans le Maroc Sud qu'il aime beaucoup, dont il connaît chaque sentier, chaque pierre. Mais vous, vous êtes revenu. Pourquoi? Ça, c'est différent. Et vous ne pensez pas que... Agoun Chiche est parti, comme beaucoup d'autres, pour se diluer dans l'anonymat du Nord. Ouais. Moi, j'étais obligé de revenir. Pourquoi? Parce que, tout de même, il a fallu ne pas rompre complètement. Il était nécessaire que je revienne. C'était indispensable. Alors je suis allé là-bas et voilà ce que j'ai écrit. Après 2 ans d'enquête et 2 autres années de rédaction intermittente. Et vous, combien d'années de travail? J'ai commencé en 78, mais en fait j'ai rédigé assez rapidement, en 1 an et demi. Mais je cherche, enfin, je ramasse la documentation depuis 6 ans. Clarisse Sinisco, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais simplement vous demander si vous ne pensez pas que dans la mesure où vous devez quand même vous exprimer en français... Vous avez un peu perdu de cette liberté, vous aussi que... Pas du tout. Là, c'est un vieux problème, celui du déracinement linguistique, par exemple. Mais non, pas du tout. On peut fonctionner dans toutes les langues, actuellement. Vraiment? La seule condition est la suivante, de savoir le faire. C'est tout. Voilà une bonne parole. Alors maintenant, on va passer en Nouvelle-Calédonie avec Marie-France Pizier.